Alors, nous avons entamé une démarche pour l'élaboration d'une charte éthique à notre école, parce que c'est le besoin émergé, en fait, suite, évidemment, à différentes situations problématiques qui sont survenues avec des élèves. On voulait s'assurer d'une utilisation responsable de leur côté, mais on avait aussi certains problèmes par rapport à l'utilisation des écrans par le personnel, par les employés de l'école, que ce soit les enseignants, que ce soit les éducatrices au service de garde. Les parents pouvaient s'en plaindre, puis même nous autres aussi, en tant qu'équipe de direction, on avait des réserves parfois ou des questionnements par rapport à la pertinence à la fréquence de l'utilisation des écrans. Donc, l'élaboration d'une charte éthique, ça nous est apparu vraiment important. Puis, il y a même des parents là, qui sont très sensibles à cette situation-là qui nous ont interpellés. Donc, on a regroupé notre équipe de travail, donc la direction et nos réapos. On a deux réapos ici à l'école. On a une grande école primaire. On a plus de 800 élèves, là, plus d'une centaine d'employés. Donc, on a deux enseignantes qui sont libérées et qui soutiennent toute l'équipe école là, au niveau des technologies de l'information. Et elles sont vraiment efficaces, elles sont vraiment compétentes, elles ont établi un lien de confiance avec l'équipe. Puis, ensemble, on a pu s'asseoir avec Mélissa Bricot, là, du service des technologies d'information qui nous a accompagnés pour qu'on puisse en venir à voir notre charte là, qui va être déployée de différentes façons, là, qui a différents exemplaires qui vont s'adresser aux élèves, mais avec des versions adaptées là, en fonction de leur âge. Une version aussi pour le personnel, une version pour le parent. On songe même à faire un arrimage entre ça et notre code de vie pour qu'on regarde de quelle manière on va utiliser ça dans notre agenda, le rendre accessible. Et notre gros défi, évidemment, ça va être de la rendre vivante, cette charte-là. Donc, d'interpeller les élèves, d'y faire référence régulièrement. Mais on est très contents des résultats, vers quoi on s'en va. Puis, avec le soutien qu'on a eu de Mélissa et des autres collaborateurs du centre de service, on va bien avoir quelque chose de fort intéressant pour nous soutenir là, dans cette démarche.